moi fait que sorti dans un CSPN juste avant de venir là sur situation hein, pour que nous analyser, nous évaluer, nous apprécier et nous commencer à comprendre et trois bagages. Nous commençons à comprendre que le pays a depuis 1986 il a développé sans décarrer le banditisme qui vient transformer des banditisme armé. Mais je dis à l'autre étape. Nous commençons à comprendre que l'État fait face sans décarrer à un guérilla. Donc nous allons prendre disposition pour nous porter des réponses appropriées. Mais à partir de qui période nous avons cette disposition à commencer à entrer en application pour qu'on stoppe les guérillas? Là, on a parlé de sécurité. On a parlé de sécurité nationale. Ça m'a demandé un peu de confidentialité. Mais c'est tout près du bureau là, oui, et puis pour lui, ça passe là. Non pas, c'est bon question de bureau. On a parlé de tout bâtiment qui est dans la zone là. Que bâtiment qui gagne monde qui habite, que bâtiment qui gagne bureau l'État. Donc c'est responsabilité de l'État à travers structure de sécurité pour lui porter réponse à ça qui a passé là. Donc n'a pas son bon titre dans la situation ça encore, d'après ce dit là. Pour qu'ils aient les métiers, ils ont une période là-dedans. On a parlé de sécurité nationale. C'est responsabilité de l'État. Donc l'État prend la responsabilité. Ni moi ni vous nous faisons partie des populations. Peut-être que moi-même, dans le niveau PAM, je n'ai pas subi ce qu'a fait là, physiquement, mais moralement, je subi parce que c'est responsabilité de l'État.